Ok, bon, on se retrouve grâce à la magie évidemment des vidéos et du fait du coup qu'on puisse faire des ellipses. Et c'était une grosse ellipse, hein, parce qu'on se retrouve, on se retrouve 2 semaines après carrément. Beaucoup de choses ont évolué et je aussi je me retrouve, enfin on se retrouve du coup, je suis tout seul. C'est vrai que j'ai commencé seul. Puis on a vite arrêté parce qu'il fallait débloquer justement la zone où je suis, Salencira. Et la dernière fois, j'étais, on était 3-4 en vocal et on était 2 à faire justement la petite quête, la fameuse quête qui apparemment est trop bien et va me plaire. Je fais confiance. Je fais confiance. Et du coup, là, je suis tout seul parce que bon, déjà, c'est peut-être mieux pour vous. Voilà, c'est un peu moins le boxon, on va dire. Et comment dire? Et aussi parce que justement, il fallait avancer pour débloquer des territoires. Donc voilà, j'ai dit à celui-là qui était avec moi de faire le truc s'il voulait, parce que moi j'allais avancer un peu plus l'histoire, donc voilà, pas forcément pouvoir se retrouver pour faire les trucs, je sais pas s'il a continué ou pas. Mais voilà, du coup, on avait fini, on était, donc il y avait eu sur l'île avec les robots là, etc. Et après il fallait aller sur l'île Touki, et de l'île Touki ça nous disait justement de venir en Silencira, donc au bout du monde, là où il neige. Et du coup j'ai fait une quête sans faire exprès avec ce petit facteur, je pensais que c'était pas lié à ça mais que c'était juste le jeu en général, je sais même plus ce que c'était, mais c'était vraiment un truc, c'était ridicule et tout. Donc voilà, on vous avait rien perdu, et du coup on va continuer le vrai truc. J'espère que je vais pas avoir de déconnexion, parce que c'est vrai que depuis la mise à jour, alors pas celle, parce que là on est le 12, 12 mars, donc pas celle du 10, non c'était le 10, je sais plus, si c'était joli, mais celle d'avant, j'ai des problèmes, des fois j'ai un peu de ping, genre 250, mais des fois ça monte à 11 000, 80 000, enfin bref. Je suis dans l'outre-espace. Et surtout, bah, au bout d'un moment, le jeu, bah, il me dit, bah, il se ferme. Là, ça me l'a fait encore ce matin. Justement, j'étais au Touki. Ça m'a fermé le jeu. Donc, j'étais en mode, oh putain, je vais pas pouvoir faire l'événement, ça fait chier parce que j'en ai besoin pour les cotis. Mais j'ai eu le temps de me reconnecter. Et après, j'ai fait un petit truc et j'avais un peu de lag, mais ça m'a pas d'écho. Et du coup, ouais, apparemment, alors, beaucoup de gens disent que ça provient d'Orange, mais tout simplement, c'est parce que beaucoup de gens en France qui ont la fibre sont chez Orange, parce que bah, Orange c'est la fibre la plus compétente, hein, la plus performante, donc forcément le ratio de personnes qui va avoir des problèmes, le plus gros ratio va être chez Orange, parce que bah, si vous voulez une vraie fibre, vous allez chez eux, quoi. Vous n'allez pas chez Free par exemple. Et ce qui est possiblement vrai, mais il y a des gens qui ont le problème qui ne sont pas chez Orange, et surtout il y a des gens qui ne sont pas en France, qui sont en Amérique, etc., qui ont le problème. Donc je dis pas que c'est pas lié à Orange, mais c'est plus un problème en fait de comment, je me suis pas vraiment penché sur le truc, mais de liaison en fait entre les serveurs Amazon et les fournisseurs d'accès. Donc c'est pas que Orange, mais c'est un problème de ça, parce que du coup si c'est des montées de ping, etc., c'est de la latence. Apparemment il y avait déjà eu le problème justement sur Guild Wars 2, pardon, à l'époque, donc en 2012, hein, c'était il y a 10 ans, mais là je crois que c'était avec SFR, donc vous voyez que c'est, ouais, mais c'était surtout le truc, et les développeurs avaient fini par rentrer en contact avec SFR pour trouver une solution, et je crois bah, du coup que ça a été réglé. Il y a des gens qui avaient une solution, c'était de jouer avec un VPN, ce que je pourrais faire là sur Lost Ark, mais je pense pas que je me ferais ban de Steam, parce que c'est surtout, enfin ils aiment pas trop ça quand vous voulez changer de store, vous savez, pour payer moins cher et tout, mais moi ça serait juste pour jouer, et Amazon c'est vrai qu'ils sont pas très fans des VPN, mais bon, en même temps c'est le seul moyen de jouer au jeu, ils ont que fixé le problème, enfin, ou aider à fixer le problème, je dis pas que ça vient que d'eux. Et puis surtout, il y a plein de bots qui détruisent l'économie du jeu, donc si je me fais ban avant les bots, ça serait un petit peu bizarre. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est surtout en instance. Après, il me semble que j'ai déjà eu le problème quand je jouais seul, juste ouais, me balader comme ça, faire des petits trucs. Mais c'est vrai que c'est vraiment en instance, quoi, donc c'est normal, parce que évidemment en instance, il y a plus de joueurs, donc il y a plus de choses que votre PC doit recevoir et renvoyer au serveur. Donc c'est vraiment un problème de paquet, donc d'échange. Parce que moi, de mon côté, bon voilà, je suis fibré, etc. La box, enfin, je suis fibré en plus pas loin. Mon PC est ultra clean, je suis à jour de partout. En termes de connexion pure et dure, mon IP, je la change régulièrement. Là, je l'ai changé via la box, parce que Orange le propose. En fait, quand votre box, je crois que de base c'est une semaine. Si votre box est éteinte pendant une semaine, vous allez changer d'IP. Mais si vous faites un redémarrage via l'application, ou via le, vous savez, le directement, vous tapez votre IP sur la barre de recherche et que vous faites un redémarrage là, ça va vous changer l'IP. Si vous faites juste un redémarrage physique à appuyer sur le bouton on-off, ça le fera pas. Mais c'est ce qui résout pas mal de problèmes, ça. Mais du coup, là, donc là, j'ai aussi changé l'IP
d'Orange, mais moi je sais que par-dessus, souvent je change mon IP. J'ai des DNS personnels. D'ailleurs, vous, je vous conseille, si vous n'avez jamais changé votre DNS, de mettre ceux de Google, DNS Google. Voilà, vous tapez ça sur Google, du coup, et vous allez avoir des trucs, ça vous permettra d'éviter d'avoir des sites qui sont bloqués ou quoi que ce soit par votre FAI. Donc voilà, donc moi, j'en ai un personnel. Donc j'ai changé l'IP via la box, j'ai changé mon IP par-dessus, j'ai des DNS perso. Donc, enfin, oui, je fais le maximum à ce niveau-là. Donc après, évidemment, si c'est un problème de connexion et tout, bah, je peux pas faire le boulot des ingés sur place qui n'ont pas l'air très compétents, mais voilà. Donc bref, c'était la petite aparté. Il faudra pas que j'oublie de mettre un chapitrage, parce que pour le coup. Et là, on y revient à cette fameuse quête bizarre, donc avec le facteur Elrond qui nous dit: je l'ai trouvé étrange, il avait l'air de chercher quelque chose, je sais même plus. Ah si, c'était avec des traces. Oui, c'est ça, c'était avec des traces de sang, etc. Parce que je vois que la quête s'appelle Prédateur, donc c'était ça. C'était juste vraiment une toute petite quête. Il a erré dans le village en marmonnant un moment, et puis il a disparu. Du coup, je crois que le mec s'est fait griffer par un truc. Je dois la trouver. Où est-elle? Ensuite, il a crié « C'est la falaise !» Il s'est mis à courir vers la falaise. Bizarre. Il ne ressemble pas à un aventurier de Riggans. Montrer l'appareil vocal. Donc ça, l'appareil vocal, moi aussi j'essaie de me souvenir, parce que c'est il y a 2 semaines, c'était le truc que justement on avait été à Artelin avec le hacker pour qu'il le truc, où je croyais que d'ailleurs on pensait que le jeu était buggé, et en fait fallait juste spammer la touche G. C'était plus drôle, je pense, une référence pour ceux qui skippent tous les dialogues. Mais du coup c'était pas buggé, donc on lui montrait le truc. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air bizarre. Je n'ai jamais vu ce genre de dispositif avant. Que fait-il? On active. Ok, ok. Ah, là aussi faut spammer. Je connais la routine maintenant, je me fais plus avoir. Bonjour, vous avez des lettres à envoyer? Ok. C'est un robot? Ok. Elon commençait à se répéter. Cet homme sait quelque chose à propos de l'étrange appareil. Allez trouver des indices sur lui à la falaise des mêlées. Ok. Donc du coup, j'espère que je vais pas être bloqué maintenant, parce que du coup, tout le Selencera est fait. J'ai fait tout le Roendal et j'ai commencé Yorn. Donc potentiellement, on a 1, 2 et le début d'un truc. Donc on devrait pas être trop bloqué. Du coup, direction les falaises et la quête, je sais pas où elle est, donc on va se foutre dans le milieu. Mais ouais, c'est vrai que c'est, bah, c'est chiant, parce que ça faisait 2 semaines, j'avais aucun problème, et d'un coup, et comme en plus c'était suite à une mise à jour, bah forcément on se tourne plus vers le jeu que sur le FAI. Mais en fait, je pense que c'est ni le problème vraiment du FAI, ni le problème d'Amazon, mais il va falloir qu'ils trouvent une solution tous les deux, quoi. C'est ça. Mais ils se renvoient la balle, Amazon, on n'a pas de problème, et Orange, nous, on n'a pas de problème. Donc c'est pas grave en fait, c'est pas, l'important c'est de trouver une solution, c'est pas qui est le coupable, quoi. Donc on verra ça. C'est vrai que c'est frustrant d'avoir des décos et tout, quoi. Ah oui, j'avais planté des mokoko. Ah oui, c'est ça, j'avais planté des mokoko. Oui, non, la griffe, c'est autre chose. J'avais planté des mokoko et tout. Ouais, je me rappelle. C'était ça, la quête. Ok. Donc on va planter encore des mokoko. Alors là, c'est un petit donjon. Ok. Petit donjon secret. Donc là, c'est une instance, mais je suis tout seul. Donc il ne devrait pas y avoir de soucis de déco. Ok. Donc voilà, pour ceux qui ont des problèmes, que vous choisissez c'est Orange ou pas, essayez de faire le maximum de votre côté. C'est-à-dire, voilà, être... ça influe pas forcément, parce qu'on parle de connexion. Donc si je vous dis soyez à jour, vous allez me dire, ouais, mais ça sert à rien du coup. Mais voilà, soyez à jour sur votre PC, tout ça et tout. Limitez les trucs connectés, limitez les trucs connectés aussi. Genre, voilà, il n'y ait pas 46 streams d'installer. Alors oui, évidemment, je vais rouler sur le contenu, hein, parce que ça scale pas, etc. Et prenez votre mal en patience. Voilà. Quand ils arrêteront de faire, moi, il n'y a pas de problème de mon côté, moi, il n'y a pas de problème de mon côté, on pourra faire les trucs. En fait, je crois que j'ai trouvé un donjon secret, mais c'est pas lié à la quête. Bah oui, pas du tout, en fait. C'est juste un donjon secret que j'ai trouvé au pif, parce que j'ai la carte sur moi. MDR. Ah putain, le jeu est formidable. Mais ça n'a rien à voir avec la quête, hein. Fallait juste planter la graine à côté, en fait. Mais le donjon était juste devant. Ah merde, je suis KO. Donjon du KO, d'ailleurs. Énorme blague. Ok. Donc là, on est bon. Hop. Oh non. Ah, ça, c'est... Ça, le cancel des mobs. C'est tellement frustrant. Mais ouais, du coup, ouais, prenez votre mal en patience et... Puis voilà, quoi. Malheureusement, mais c'est vrai que c'est chiant, quoi. Surtout, justement, quand vous êtes dans des donjons du chaos, dans des raids, bah, ça peut vous faire rater. Et du coup, vous pouvez pas le refaire avant le lendemain. Donc, ouais, c'est un peu chiant. Je vais pas vraiment tuer de mob, on a pas besoin. Même si c'est toujours marrant de bâcher du mob, je trouve. Hop. Bah, je vais pas avoir le choix. Est-ce qu'ils vont me cancel? Parfait. Hop. Voilà, on va poser la mokoko. Impeccable. Il y a quelque chose à la place de la graine.
C'est vrai que c'est sympa ça, avec les petites interactions, il y a un petit dialogue aussi sur le, on va dire le chargement du truc. Alors, numéro 92 24 251. Elle pleurait là où repose le soleil. Seule, elle a passé des années à tenter de ne pas perdre l'esprit. Ses silences étaient emplis de peine. Contrairement à moi, la poupée a été abandonnée dans ce monde par erreur. Elle a refusé de résister. Je ne peux pas la pleurer. Je m'organise depuis longtemps en prolongeant la date de livraison. Avec les petites modifications que j'ai faites sans me faire repérer, je ne peux pas changer ce monde. Il est trop solide pour être brisé par les conflits minimes que je crée. Je dois trouver un autre moyen. Si nous emprisonnés dans ce monde, il doit y avoir une sortie. Je dois la trouver, l'ouvrir et sortir d'ici. D201... Ok, ok. Bon, je pense pas que les chiffres soient importants quand même. On va voir ça. Hop, on va continuer tranquille. Je pense que je vais enlever aussi tout ce qui n'est pas lié à la quête. Comme ça, ça sera plus simple. Hop. Hop. Voilà. Impeccable. Lui demander de révéler son identité. Voilà, casse-toi de là. Alors, est-ce qu'il y a une cachette quelque part? Ok. Pas l'air d'avoir grand-chose par ici. Là non plus. Là non plus. Ok. Est-ce qu'on peut avoir accès? Ah, ou c'est un petit passage secret? Parce que là, je vois qu'il y a un trou là. Peut-être un passage secret. Non? Ok, je me suis dit dans cette grotte. Pas du tout. Des fois, c'est vrai que c'est bien en périphérie. Ah, faut jouer le champ! Putain, j'ai pas lu la quête. J'ai pas lu la quête. Ah, mais d'habitude, les champs, on est dans des zones spécifiques. Champ de résonance. Ah, il va me cancel. Ah ouais, c'est relou. C'est relou. Ah, toi, tu prends ta part. Faut pas que je sois trop près des mobs pour pas les aggro. Hop. Champ de résonance qui va ouvrir du coup un passage secret, logiquement. D'accord. Prendre un ton mignon, la menacer pour la faire sortir. Et ça, en vrai, c'est vrai que les missions où il y a des émotes à faire, c'est assez cringe. Enfin, c'est chiant. Je crois pas que je l'ai d'ailleurs, mignon. Non. Donc on va juste... je sais même pas si j'ai menacé. Ah, si je suis déjà bloqué. Ok, j'ai menacé. Si je suis déjà bloqué et qu'on se retrouve dans deux semaines. Ok. Ah, faut faire tout? Non, jure, je suis bloqué. Non, mais en fait, faut que je fasse cette quête avec vous dans un an, en fait. Non, mais vraiment... Mais les gars... Je sais même pas écrire s'asseoir, en plus. Putain... Vraiment. Prendre un ton mignon. Oh, là-haut, mignon. Ah, faut faire les trois. C'est une émote en plus, ça, non? Ou c'est un truc là? Mignon. Mignon. Échange. Fermata, berceau de la mer. La la la. Oh, jure! Oh, la chatte. Oh, la RNG. Oh, la RNG. Un marchand ambulant. Alors, quand il y a un marchand ambulant, je me pose pas de questions. J'achète tout. Parce qu'ils sont très rares. Enfin, il y a les timers, mais c'est vrai que c'est très chiant. Attendez. Ça, on est d'accord, c'est fini, hein, la sardine. Hein. C'était pour avoir... ouais, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Parce que en gros, ils ont des timers spécifiques en fonction des régions. En plus, c'est pas les mêmes. Genre, il y en a, ça peut être genre à 1h30 du matin, 3h30. Genre, vous savez, genre il y a 2h de décalage. Après, il y a 1h de décalage. Après, il y a 3h, 2h. Enfin, c'est full random. Et en plus, ce mec-là, il peut spawn dans toutes les zones. Donc là, il était à la falaise, mais il aurait pu être ici. Tout. Donc, faut connaître les spots, etc. Donc, c'est pour ça que dès que je vois un marchand ambulant, je me saute dessus et j'achète tout sans poser de questions. Voilà, hop, une petite carte de plus. Impeccable. J'avais déjà la sardine et... Qu'est-ce que c'est, ça? Oh, c'est une quête cachée. On dirait le truc du Père Noël. Jure. Équipement manquant. Déplacer la cargaison. Ouais, bon, ça, je le ferai de mon côté. De toute façon, ça va pas disparaître. Contenu, fourniture médicale, etc. Ok. Ok, je ferai ça après. Ça va déjà être assez chaotique comme vidéo. Je vais pas vous infliger des trucs en plus. Mais, oh, la chatte du marchand. Ok. Bon. Là, c'est bon. En vrai, je peux être dans la zone, en fait. Donc. Voilà. Va te faire voir. Hop, mignon. Ah, et pourquoi il est plus en bas? En plus, c'est même pas par ordre alphabétique, c'est chelou. C'est dans l'ordre où on les a obtenus? Ouais. Ah, on fait un petit... ok, impeccable. On retire l'appareil. Reine, araignée. Oh non. Non. Je me dis pas qu'il va falloir tuer l'araignée. Parce que c'est pas aujourd'hui. Oh non. C'est où déjà? C'est au lac.
Ouais, c'est là. Oh non. Attendez, oh non, avant de pleurer. Parce que c'est. Je crois que c'est dans 2 jours en fait, Tarsila. Ah, j'ai envie de sauter. J'ai envie de sauter par la fenêtre. Parce que. Après, c'est pas dérangeant si j'ai 46 records, mais c'est que du coup, bah, tant que j'ai pas tout, je peux pas encoder. Donc le disque dur. Ok, c'est du morse ou. Casse-toi, Ronflex. Ok, lui dire que c'est sa dernière chance. Du coup, on parle à la machine en se déplaçant en fait. C'est un peu bizarre. Oula. Ok. Vous êtes venu en sachant ça et vous êtes désormais prête pour la vérité. Jure, elle est là ? Chiche ! Tarsila, je vais vous le révéler. La révéler, non ? Si on parle de la vérité. Le secret de ce monde. Ah, autant pour moi. Oh, ils auraient pu le doubler, ça, quand même. Oula, on va se battre, là ? Ah non, on lui parle ! Ah, ça fait bizarre de parler à un world boss. Bonjour, madame. Oui, je suis née reine arachnide. Ma vie a été décidée dès ma naissance. C'est mon destin qui m'a fait apparaître ici, sur la falaise d'Emial. Ensuite, je devais être vaincu par des aventuriers. C'est vrai. J'ai commencé à penser par moi-même, mais peu importe maintenant. Je voulais simplement vivre. Alors j'ai fui. C'est vrai que dans les jeux, on tabasse des mobs, on tabasse des trucs, mais en fait, ils ont leur vie. Hein. Jusqu'à présent, j'ai réussi à éviter de me faire traquer par des aventuriers. Et puis cet homme a demandé de le suivre pour changer le monde avec lui. Je pensais que nous pourrions changer notre destin, mais la quête fut vaine. Et j'aurais préféré ne jamais connaître la vérité. Finalement, j'ai parfaitement vécu mon destin tragique. Où est-il passé ? Il est retourné où il était né. Quel que soit l'endroit où se trouve notre créateur, c'est là-bas que nous sommes venus au monde. Il doit y avoir une porte qui mène vers ce monde, ok ? Il doit y avoir un grand cœur, car il y a des héros partout maintenant. Des gens comme vous, nés aventuriers, ne peuvent pas comprendre. Nous ? Une seconde. Quel est ce bruit ? Quoi ? On dirait que l'un d'eux s'est échappé. Dépêchez-vous de le trouver et de le détruire. Nous ne pouvons pas le laisser rejoindre le monde. Ok, je détruis. Impossible de le casser. Ah. Ok. Elle n'arrêtera pas. Tarsila est... Examinez l'expression de Tarsila. Ok, elle a l'air... Ok, on va spammer. J'ai compris maintenant. C'est pas un bug. Impossible d'échapper à ma toile. Holy shit! Ok. Ah bon, elle a que 3 barres de vie, ok. Ouais, forcément. Si vous avez mis un world boss... petit world boss en solo. Allez, dash. Ah, elle est bloquée par le... Ça me le fait souvent, ça. Quoi? Pardon? Pardon? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi qui m'a one-shot? Ah ouais! Faut pas être derrière, du coup? C'est con parce que mon bulle repose sur le être derrière, donc... Ok. PPDR m'a one-shot, quoi. Ok. Oula, oula, oula. Ah oui, du coup, on sait nous re-TP. Ok. Impeccable. Au complexe. Oh, on va beaucoup, ouais. On va beaucoup, beaucoup voyager. Ça, c'est sûr. Berne, ça sera le plus proche, ouais. Heureusement, ouais, j'ai des Bifrost. On en a un de base. J'en ai 2 de plus grâce au fait que j'ai l'aura cristalline. Parce que c'est vrai que si vous comptez jouer au jeu de façon régulière, ça vaut le coup. Voilà. Et j'ai débloqué un 4e en étant niveau 60 d'expédition. Ça, c'est plutôt cool. C'est vrai que ça permet de se téléporter instantanément. Bon, il y a un cooldown de 2 heures. C'est un peu chiant, ils auraient pu mettre 1 heure. Mais bon, c'est comme ça. Donc, direction le complexe. Petit truc et tout. Ou juste, en fait, être en vocal et chacun joue à un endroit du jeu, mais on discute et tout, quoi. Alors, dernière position connue de Damien. Damien n'était pas là où je l'avais trouvé. D'accord. J'étais cancel ? Ouais, je crois que j'étais cancel. Alors, attendez, je vais tuer le mob. Voilà, casse-toi. Impeccable. Très bien. Donc Damien n'est pas là. Il doit y avoir une sortie quelque part sur l'île. Je dois retrouver Damien. Ok. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un sac de développeur. Un vieux sac que les développeurs emportent avec eux quand ils vont travailler. Que peut-il bien y avoir à l'intérieur? De l'or, carte d'invitation à la bêta fermée. Quoi? Un ticket d'échange d'argent. Carton d'invitation à la bêta fermée. Green Bull, CD suspect. Ok. Je crois comprendre sur quoi on s'engage cette quête. Oh, ça parle de développeurs, on va peut-être voir les... comment on appelle ça? Bah genre les trucs de dev en fait, les dev rooms, les esquisses et tout. Ah, c'est trop cool. Ah, j'adore ça dans les jeux. Ah ouais, je comprends pourquoi les camarades m'ont dit que j'allais kiffer cette quête. Oh, ok.
Ah, ça me rappelle, je sais pas pourquoi le premier jeu qui me vient en tête, c'est Ratchet & Clank, où il y avait justement la salle, comme ça, des développeurs et tout. Avec les croquis, avec les trucs et tout. C'est toujours très cool, je trouve, dans les jeux. Ah là, c'est marrant, du coup, qu'ils l'ont fait, Enfin, on est obligé d'avoir la quête, quoi. Alors après, on le drop pas forcément au même endroit, mais vous finirez toujours par dropper la carte. Ouais. Après, je comprends aussi que les développeurs aient envie qu'on voit ça, quoi. Et je suis content qu'ils s'assurent qu'on le voit. Carte mémoire. Ok, ah, ça c'est ce qui était écrit sur le message. Ok. La carte mémoire va être initialisée. Ok. Continuez. Oui. Saisir un nouvel identifiant. Ça a peut-être fixé mes problèmes de connexion. Hein. Ça se trouve, c'est ça l'historique. Numéro d'utilisateur. Imatumi. Oh. Oh, j'adore. Oh, ça me fait penser à... Merde, comment ça s'appelle? J'ai fait la vidéo dessus. Le jeu là. Où j'ai fait la vidéo justement pour montrer la fin où justement ça nous fait crash le jeu. Ah, comment ça s'appelle? Ah, vous l'avez. Vous l'avez dans les commentaires. Oh, terrible. Oh, trop stylé. Ok. Ah, comment ça s'appelle? Information. La température à Rochefort est de 21 degrés. Humidité à 12%. Contamination faible. Pas de danger immédiat. Mais ouais, c'était un jeu où il y avait des crashs et c'était vraiment voulu, quoi. C'est assez drôle. Nous avons pris un peu de retard. Allô, c'est Assassin's Creed? C'est Desmond, on se réveille. Oh, trop bien. Ok, je vais kiffer. Est-ce qu'on enlèverait pas... Ah oui, non, je peux... Est-ce que je peux faire... Attendez. Peut-être enlever la carte. Enlever ça... Ça... Ah oui, mais non. Ah, attendez, putain. Ivre, il découvre l'interface. Voilà, on va réduire un petit peu. On va se mettre à l'aise. Allez, on y va. Essayons de faire du bon boulot aujourd'hui. Ah ouais, ça fait tellement penser à Assassin's Creed, quoi. Oh, trop bien. Ok, je vois parfaitement pourquoi on m'a dit que j'allais kiffer ça, quoi. Ok, ok. Donc là, on y est, là. C'est bon, il n'y aura plus besoin de débloquer. On se retrouve pas dans 6 mois. Je pense qu'on y est, là. Putain, je marche vite, hein. On n'a pas décidé. Oh, trop stylé. Ok, ok. Explorer l'usine mystérieuse. Oula. Votre voie est tracée. Vous le saviez déjà. En vrai, je vais peut-être afficher la carte parce qu'on c'est peut pas avoir. Même chose. La carte agrandie. Pour tout le monde. Ah ouais, ils chopent des robots dans les trous là. Ok. Bon, je pense pas qu'il y ait des trucs cachés. Donc on va tranquillement suivre le chemin. Quand je dis trucs cachés, vous savez, c'est Mokoko et tout. De toute façon, je pouvais pas voir la carte donc. Enfin, s'il y avait des Mokoko ici, ce serait vraiment vicieux. Ok. Ça va finir en portal en fait. Oh! Information. La température à Rochefort est de 21 degrés. Humidité à 12%. Faible niveau de contamination. Pas de danger immédiat. Putain, les mecs ils sont accrochés à la roue. Oui! C'est l'attraction quoi. Ok, ok, ok. Nous ne sommes juste qu'un moule. C'est une simulation. Ok, c'est un ascenseur. Bonjour. Très bien. Bon, j'appuie hein, sur G au cas où il y a une action à faire, voilà. Activer l'appareil. Ok. Peu importe vos décisions, elles vous mèneront toutes au même endroit. Là, je suis en typos quoi. Enfin, ouais. Typos d'essai. Hein. Mais je suis rigide quoi. Même la physique, elle est... Oh merde. Tout sera plus clair si vous acceptez cette réalité. Bah là, j'ai pas trop le choix, chef. Hein. Autrement dit, le début et la fin sont déjà établis. Tout ce que vous faites, c'est parcourir le chemin qui les relie. C'est vrai, ça. C'est bien vrai, ça. L'interface n'est plus masquée. Ah oui, c'est chiant aussi. Bon, on va laisser comme ça, du coup. Ça, c'est pas comme si j'avais enlevé grand-chose. Vous n'êtes pas en retard. Ah bon? Bon bah c'est cool alors. Vous vous assiérez sur la chaise. Et si je le fais pas? Et qu'est-ce qui se passe si je le fais pas? Est-ce que c'est un peu la... Pause. Mais ne vous endormez pas. La Stanley Parable ou où le mec il est là en mode... Non mais je t'ai dit de t'asseoir, c'est relou. Genre là si je m'assois pas, qu'est-ce qui se passe? Non. Moi je pense pas qu'il soit allé juste là quand même. Ah, par contre ouais, j'ai des vibes d'Assassin's Creed quoi. C'est assez fou. Ok. On va s'asseoir hein. Cette chaise fait du bruit quand on s'assoit. Ouais. Comme beaucoup de chaises. Hop. Oh, toujours les pauses. Putain.
Ah bon, c'est un jeu coréen. Oula. Bonjour, merci d'être là plus tôt. Oula, on est sur PlayStation ou... Les gens minutieux comme vous sont les vrais. Ah non, c'est qu'elle avait pas loadé. Ah, on dirait que quelqu'un vient de très loin. Je pense que c'est fait exprès, eh je sais pas. Comment faire pour le saluer? Dire bonjour est la voie vers un monde meilleur. Si un inconnu vous parle, c'est sûrement qu'il a besoin de votre aide. Aidez-moi. Et lui aussi peut vous aider. Waouh. Allô, mais la vache, elle a envie... Allô. Elle est sur le cul. Souriez aux autres. Montrez votre plaisir de les voir. Allez, entraînons-nous. Bonjour. T'en dirais les persos qui montent dans les pubs téléphoniques pour les jeux Command & Conquer et compagnie. Non. Si c'est possible, essayez de ne pas gêner les autres dans leur travail. Soyez direct, rapide et allez droit au but. Okay. Nous construisons ce monde ensemble et vous faites partie des véritables héros. Ah, il y en a qui n'ont pas compris, hein. Ils font des bottes et ça casse le jeu, donc... Mais bon. Ok. Oula. J'espère qu'il n'y a pas encore des trucs qui ont one shot, quoi. Putain, je reviens pas, quoi, Tarsi là, quoi. Je sais même pas ce qui m'a tué, en fait. Fallait peut-être pas se mettre derrière, hein. Cette belle journée est idéale pour boire du thé. Hélas, je n'ai personne à inviter. Oh. Je ne me souviens même plus de ma dernière sortie. C'est je triste. Suis si jeune pour mourir vieux. Oh. Il faut, résonance, du coup. Oui, donc faut que... Oh, j'espère que je vais pas être bloqué, ouais, vraiment. Ouais, c'est ça, résonance. Et un passage secret. D'ailleurs, c'est bien parce qu'au final, si vous faites ça sur justement dans sur une île, bah, ça va mettre le passage secret pour tout le monde en fait. Alors, il y a un cooldown, je pense, mais. Ah, ok. Ok, c'est bon. Pareil pour le menuet, pour ouvrir les plantes et tout. Oula, c'est un peu creepy ça. Il a dû être fait ici. Ouais, c'est un peu creepy là. Hein. En plus, la petite musique, heureusement qu'on n'est pas en first person. Hein. Ok, il ne bouge pas. Ah ouais, il y a une autre ambiance, stop, là, quoi. Assez. Ne touchez pas à ça. Vous ne devriez vraiment pas. Ah ne ouais. Ne vous arrêtez pas. Ce lieu est interdit. Bah, du coup, me fais pas passer dedans, en fait, frérot. Me secouer un peu, brasser le bouge. Oh, ça va finir, ils vont m'attaquer. Non? Ça va, les gars? Mannequin, la lure étrange. Ouais, c'est vrai qu'on dirait des zombies, en fait. Ok. Ah bah là c'est fermé. Ah. Ah faut que je trouve le bon? Non. Il y en a un qui doit être différent. Dites. Vous m'écoutez? Continuez. Rien de tout cela ne devrait vous intéresser. Mais je peux pas, c'est fermé. Quelle aigrie, il y a ceux avec les t-shirts jaunes, la robe. Il y a un pattern ou j'essaie de voir s'il y en a un qui est, je sais pas, un peu plus... la lumière ou... là, je vois pas résonance, je pense pas. Ça va pas ouvrir de passage secret. Faites attention. Ah. Ok. Je peux me battre là. Ok. On va paquer tout le monde. Allez, venez. Venez. Ok. Oh, le bruit que ça fait quand ils déclenchent. Ok. Putain, c'est Dying Light en fait. Hop, c'est bon. Ah, mais ils font demi-tour. C'est bon, allez, partez. Vous êtes sûr? Ok. Allez, ciao. Ok, impeccable. On peut se battre du coup. Aïe. Ok, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Ok, c'est la salle... où ils scannent les gens, là, je pense. Oula. Qu'est-ce que tu veux, toi? Apporter? Apporter quoi? What? Petite traduction. Bon, on va éviter de tomber, en tout cas. Ok. Okay.
c'est que cet endroit chelou? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Trauma. Interaction interdite. Ah merde! Problème détecté avec des objets éliminés. Problème détecté avec des objets éliminés. Regardez, ok. Bah c'est ouvert du coup, je peux pas. Mais là ça va m'électrocuter, non? C'est rempli de débris de mannequins. Hein, mais alors attendez. Pourquoi? Ah, je peux pas. Ah, c'est des débris. Non, c'est bon en fait. Ok, là, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Ah, mais j'ai envie de tout casser. Ouais, mais non, ça sert à rien, je pense. Ouais, non, ça sert à rien. Bah, en même temps, c'est tentant, hein. Mais ça va être long. Alors je vous avoue que même moi j'ai pas la foi. Ok, c'est bon. Je pense qu'il fallait juste trouver le bon par contre. Donc j'ai sûrement chaté direct. Oula. Vous êtes qui? Cet élément aurait dû être éliminé. Oula, 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 oula. Minute. Non. Surprise. C'est juste un bug. Ah. Surcharge de données. Tout ça. Ouais, tout ça. Pas. J'ai déjà assez d'ennuis avec ma. Ah bah je peux pas là, de toute façon. Vous n'êtes pas en train de filmer. Non, non, non. Arrêtez, pitié. Ces images ne peuvent pas sortir d'ici. Aïe, aïe, aïe. Promettez que vous allez oublier. Ah, j'ai pas le droit de vous montrer. Bon, ben, fin de la vidéo. Et, bah, bonne continuation à vous, hein. Si vous promettez de tout oublier ensuite. C'est un peu comme Getting Over It, où les développeurs demandent à ce que on filme pas la fin du jeu. Ouh là là. De toute façon, j'ai pas le choix. Hein. On va lancer la bombe nucléaire. Oh wow. Oh. Ok. Bienvenue à Rochefond. Oula. Oula. Ah, c'est les, c'est la ville de base, ça. C'est Fort le Puy. Il paraît qu'un prêtre célèbre arrive aujourd'hui. Bonne journée, aventurière. Ouais, du coup, c'est, ouais, c'est les prémices du. Ok. Quel bordel. C'est un peu malsain quand même. Ok. Le petit pont. Rien à signaler. Vous devez activer 4 appareils secrets pour terminer la visite du village. Ok. Oh, désolé. Ah, c'est vraiment, c'est Folpertu. Hein. Ah, j'avais pas vu le nom de la zone. Système Landschuf, ok. Ça, c'est l'église. Bah, y a pas les sièges encore. Ah, est-ce qu'il y a un truc à activer ici? Regardez. En cours d'inspection, chez Tyrin. Cette lumière est la vôtre. Ah ouais, non, c'est... D'un nouveau jour. Ah, c'est vrai que l'église ressemble beaucoup à chez Tyrion, en fait. C'est peut-être un mélange des deux. C'est ça, pour le coup, oui, c'est le trône, mais... Voyez, cette lumière est la vôtre. C'est l'aube d'un nouveau jour. Laissez-moi réessayer encore une fois. Oui, du coup, on interagit juste à... L'appareil secret. Un cliquetis. Je sais qu'il y avait un passage secret en bas, là. Mais c'est peut-être pas la même chose. Oh, quel bordel. Ah, ok. Il y a un truc qui s'est activé. Très bien. Pas le cadre. Bah ça doit pas être ici du coup. Parce que là j'ai tout fait, hein. J'ai activé les 4 trucs. Ah oui, c'est les plans cam ça. MDR. Si stylé. Je peux pas en refaire bouger un là? Parce que ça doit être là le cliquetis. J'ai pas eu le temps de dire. 4 appareils en tout. Ah oui, donc c'est. En fait, c'est. J'ai activé le truc de cette zone. C'est ça que ça va me dire, je pense. Ok. On va voir, on va voir. Ok, ok. Ok.
Oh ouais, quel bordel. Oui, Fierbourg. Qu'est-ce que je disais ? Folpertuis ? Mais ça, Folpertuis, c'est... Mais c'est un autre jeu, en fait. C'est un autre jeu ? Je sais... Pourquoi ça m'est venu en tête ? Quoi insolite ? Le secret de la lettre. La lettre de fortune que vous pouvez parfois trouver est envoyée dans une bouteille par Imatumi de la mer en face de Tortoïk. La mer en face de Tortoïk. Ok. Folpertuis, ça vient de quoi ? Que Régulus vous bénisse. Et la forge. Votre tête me dit quelque chose. On se connaît. Vérifiez tout ce qui paraît suspect. Ouais, c'est un peu ça. Je vérifie un peu tout. Le secret du tournoi de Shangun. Manfo, l'une des neuf flammes de Shangun, recouvre sa vigueur en combat en avalant des raviolis. Ah oui, je me rappelle de ça. À l'origine, une quête demandait de cuisiner des raviolis avec des ingrédients nocifs en travaillant dans un restaurant à mi-temps pour le vaincre. Mais comme l'empoisonnement aurait pu tuer Manfin, cela a été modifié. Ouais, c'était pas mal cette petite quête un petit peu style combat, genre Tekken, Street Fighter et tout. Ok, sûrement la sortie. Oh! Où mène cette porte? Ben, on ne saura pas. Ok. Éviter de dash dans le mur, ce serait dommage. Oh la vache, j'espère qu'on va rien, louper parce que là... Oh! What the fuck? Ah, je peux rentrer dans la boutique. What? Attends, le bar est à la place de la boutique? Ouais, oui, normalement le bar il est là. Et là c'est la boutique. Ah ils ont changé du coup, bah oui c'est les trucs bêta, ok. Là on n'a ni rien. Je suis furieuse, tout le monde pense que je ne vois rien. Mais je vois très bien les aventuriers qui parlent de moi dans la fenêtre de discussion. Derrière les nuls en cuisine, par-ci, les panas, on rit pas là. C'est tellement méchant. Et faux en plus, je suis très bonne cuisinière. Alors pas vraiment, mais c'est simplement que mon personnage a été modifié. Apparemment un défaut me rendrait plus intéressante. En vrai, c'est vrai que les gens sans défaut... Bah c'est un peu fat quoi. Sauf que ça n'a pas fonctionné. Et maintenant tout le monde croit que je suis nul en cuisine. Mais vous, Imatumi, vous connaissez les vérités, n'est-ce pas? Bah ouais, je vous crois. Je le savais. Quelqu'un qui serait vraiment nul en cuisine ne réagirait pas comme ça, non? Je peux même le prouver, je vais préparer quelque chose immédiatement, Imatumi. Vous devez avoir faim. Ça ne me dérange pas vraiment. Non merci. Ce n'est rien, ne vous en faites pas. J'ai l'air cuisiner pour les gens que j'apprécie. Vous avez un aliment ou un plat favori? Pas vraiment. Ah, donc vous mangez de tout. Il ne faut pas être trop difficile, vous avez raison. Je me souviens que vous mangez mes plats délibérément ratés. Je me sentais mal, mais votre bonté me redonnait le sourire. J'ai toujours voulu vous montrer de quoi j'étais capable depuis ce jour. Non, mais j'ai vraiment pas faim. Ah, dommage. Alors, passez me voir à Fierbourg une autre fois. Vous préparez quelque chose de normal, Imatumi. Et nous ferons comme si ce n'était pas bon. D'accord? Vous vous souviendrez? Sera, Lisa, Kana, Bella. Sera? On ne triche pas. Ok. Ça, c'est qui? D'accord. Je n'ai pas encore décidé la concept finale. Quelle Naria devrais-je devenir pour gagner en popularité? Sexy, calme, enjouée, snob, innocente. On dirait qu'il y a déjà des Naria comme ça. Je suis arrivé un peu tard. Toutes les meilleures options sont déjà prises. Quel genre de Naria devrais-je être selon vous? Intelligence, avenante, amusante. Ouais, amusante, ouais. On n'a pas encore parlé dans le monde extérieur. Mais quand ce sera le cas, j'espère que vous aimerez la Naria que je serai devenue. Je n'oublierai jamais ce que vous avez dit. Vivement le diplôme que je puisse commencer. A bientôt. Vas-y, mais c'est les PNJ, tu sais, ils appliquent. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? L'appareil n'a pas l'air dangereux. Spoiler, ça va m'exposer la tronche. Ok. Petit jukebox. Ok, stylé. Ah, Neria, ouais. Ça, c'est Neria, justement, à Yorn. En N et tout. Ça m'a surpris parce que la différence et tout. Bon, après, Neria, il y en a un peu partout. Mais c'est vrai que par rapport à celle d'avant, ça surprend. Quoi. Qu'est-ce qui vous amène? Je suis là pour visiter. Amusez-vous bien, alors. D'accord. Très bien. Est-ce que je peux aller dans la chambre? Non. Je peux aller dans la chambre. Ok. Ah, ben voilà, il y en a une autre d'ailleurs. Ça, c'est à celle-ci, c'est au Lutheran, je crois. Je vais jouer pour ma chevalière aujourd'hui. Naria est concentrée sur son jeu. La feuille dit super brouillon, vraiment final. D'accord, oh pardon. Ouais, mais encore une là. Ouais. Ok. Ok, donc là, c'est toutes les Naria. Très bien. Bon, il y a d'intéressant à raconter. Il y a encore trois autres trucs à trouver. Vous aimez quelqu'un? Dites-le avec des fleurs. Ah, j'espère qu'ils ont mis le. Mais je veux jouer dans l'eau! Ça serait vraiment parfait. Hein. Très bien. Eh, ça a pas l'air simple quand même pour un truc de développeur. Y a pas trop d'indications. Hein. Que faites-vous ici? Oula! Oh la vache, par contre, le flow Assassin's Creed là, on en parle ou... Ok. Ça me dit rien ce personnage. Oh! On pouvait pas rentrer dans cette maison là. Ok. Toujours pas convaincu, Armel. Oh, jure! Tout ça, et viens sur Petrania.
C'est le gros méchant. Enfin, le gros, ouais. Il y a plein, mais... Combien de temps encore allez-vous attendre un dieu inexistant ? Oula ! Oh ! Oh, j'ai bien fait d'attendre. Quelque chose a été oublié. Eh oui. Oh ! Jure ! Toujours pas convaincu, Armel. Ok, donc deux du coup. Faut que j'ai retouché le... Ouais, ok. Ok, donc deux. Impeccable. J'ai bien fait d'attendre, hein. Sinon, ça aurait pu être très long. Je crois que j'ai de la chance d'être le prêtre de l'aube. Ok. Ok, on peut pas descendre plus bas. C'est là où il y a la ferme, normalement. Très bien. Là, il y a le marchand. Ouais, non, on n'a pas le droit aux montures. C'est dommage. Oh, allô ? T'es mal à la tête du poulet ? Les animaux de Totopia doivent apprendre une deuxième langue, c'est obligatoire. Ah mais oui, putain, c'est vrai. C'est les animaux qui parlent. Là, on a qui, là ? Il y a des enfants. Petit marché. Oh, dis-moi qui a joué dans l'eau. Par pitié. Non, il n'y a pas. Vous êtes formidable. Oh, il n'y a pas, je veux jouer dans l'eau. Oh, je suis déçu. Personnalité importante vient d'arriver. Concentrez-vous. Le secret du Roendel. Le premier concept du jardin de la reine était une zone où se mélangeaient la mer et la forêt en parfaite harmonie. Nous pensions faire une forêt de coraux avec des bulles flottant dans l'air et de petits poissons volant librement sous la canopée. On ne peut encore les traces d'une raie qui vole sous le pont de pierre comme une créature magique. C'est vrai ça. Merci. J'en ai fait un screenshot d'ailleurs. Si j'y pense, je le mettrai sur la vidéo. Ok. Oh, y a pas, je veux jouer dans l'eau, c'est dommage. Ok. Il va peut-être y avoir Serra là. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ok. Qu'est-ce qu'on voit là? C'est vrai qu'on peut pas vraiment trop checker avec la caméra. Il y a un truc là. Ah, je vois plus près. Oula! C'est en train de me tuer ou... Crédit 6, virtuellement change. A été choisi parmi une sélection de 5 idées conceptuelles pour la narration. L'une d'elles est la Tuki Corporation, 27 scripts ont été rédigés pour les développeurs, mais aucun n'a vu le jour. Bien que plusieurs scripts avaient été enregistrés, ils ont été rejetés à cause de la qualité médiocre du jeu des développeurs. La première chose créée lors de la planification était la scène où Armel tombe. L'animation de chute et d'encouragement était une improvisation. Le plan original était basé sur le concept de l'usine d'Arteline, mais les choses se sont déroulées ainsi parce que nous avons continué à nous motiver les uns les autres. Les équipes de planification de contexte et de production ont fait ce qu'elles voulaient comme s'il s'agissait d'une occasion unique. La voix originale du développeur qui raconte l'histoire à l'usine était celle d'un vrai développeur. On avait proposé au développeur de faire une voix dans le studio d'enregistrement. L'utilisateur qui jouait ce donjon jusqu'à la fin devait ensuite l'initialiser. Bienvenue dans Lost Ark, le jeu de régression ultime. Le nom officiel, l'un de souffle, posait problème car même les développeurs n'arrivaient pas à le prononcer. Cette ville a un surnom parmi les développeurs. Il l'appelait Rochefond à cause de son apparence pendant sa production. Les développeurs appuient sur G pour planter des arbres et peindre les murs extérieurs à envoyer. Le gars raconte que la vérité est parfaitement faible. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Du coup, il me manque deux boutons là. Vache. Je peux pas sortir. Allô? À l'aide? Je peux pas sortir. Ça, c'est le même truc ça. Je peux pas sortir. À l'aide? Je peux fuir ou pas? Ok. Ah ouais, mais ça va me faire fuir où? Dans là, ici? Hors de la mission? Ah! Ok. C'est peut-être pour ça. Ah, à mon avis, c'est qu'il voulait pas que je sorte pour pas que j'oublie le... Waouh! C'est stylé. C'était censé être le Roendel ou... Ok. Ah, oh bien. Attendez, c'est quoi là? Non, c'est ça là. Ah non, il y a un autre truc. Ok. Ça, c'est Trixion. Ok. C'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas... Bon, en même temps, j'ai fini l'affinité avec Béatrice. Enfin, j'ai fini ce que je voulais. Pour avoir le cœur. Méthodologie de nomenclature pour Lost Ark. Pour nommer un personnage, il faut absolument considérer la prononciation, le sens et la symbolique lui étant liés. À l'origine, l'archidémon s'appelait Main et le légionnaire ténébreux Kazeros. Comme manquait de puissance, Kazeros a hérité du titre d'archidémon. Nous utilisons le son K, qui est un son fort pour exprimer cette puissance. Kazeros, Carmine, Kaiden,
Termin. Remarque, Termin avait originellement un K, mais la localisation l'a retiré. Ensuite, pour les entités capables de causer l'agressivité en rendant furieux, il faut utiliser un son féroce, Cal, pour faire allusion au danger que représente. Caligos. Calventus. Ok. 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 Oh, y a plein de trucs en fait. Mais ça apparaît au fur et à mesure ou... ok. Où repose d'anciennes civilisations, bien que le continent ne soit pas habité actuellement, une force ancestrale se terre au-dessous. C'est un pays mobile, le temple de... Ok, Nante, une ville sous-marine qui existe sous les vagues. Il y a une réserve d'oxygène sous le fond de la mer pour permettre aux autres peuples d'y arriver. Il existe un peuple capable de gérer un dos de cheval, et ce continent de plaine compte de nombreuses montagnes et de nombreux lacs. Le pays de machin. Ok. Ok. Il manque un truc là ou... Ça j'ai vu. Ça j'ai vu. Ça j'ai vu. Ça j'ai vu. Ah, ça j'ai pas vu. Un cliquetis s'est fait entendre. Ok. C'est le troisième. Et là, du coup, je vais pouvoir sortir. Ok, donc si on n'a pas trouvé le truc important... Ok. Ok, c'est cool. En vrai, c'est cool parce que ça pourrait être long. Donc c'est là que les autres, j'ai vraiment rien oublié. Donc il manque un cliquetis. Le secret du Yorn. Les premières conceptions du Yorn comptaient beaucoup plus de blagues pas drôles qu'actuellement. Il y en a déjà pas mal. Bah, Yorn, j'aime trop. C'est là où il y a les nains et tout, mais c'est trop stylé. C'est un style un peu... Ouais, je sais pas si on peut dire steampunk, mais métallurgie et tout, c'est trop stylé. Et puis il y a aussi l'île de la bière, donc clairement je suis fan. Attendez, mais il y avait des bâtiments là, à la base? Ça me dit rien. Ok. Là j'ai le sexe de Turan en changé encore de production. Ah, c'est passé de ça à ça? Non. Ah ouais. Bon, sans commentaire. Je la cherche aussi. Sans commentaire. Ah oui, ben forcément, c'est... Voilà. Ah. Bref. Alors. Ok, il m'en manque un. Bah, en termes de bâtiment... Ah non, il y en a encore au celui-là. Je veux être trésorière, comme Sacha. Ah oui, là, il y avait la petite... on fouillait les machins, là. Ok. Je check tout, je check tout. C'est stylé, en vrai. J'aime bien aussi que... Bah... On a besoin de trouver soi-même les choses. Ça pas indiqué. Examine le coin étrange. Est-ce qu'il n'y aurait pas un bouton caché là? Le secret de la classe guerrier. Le guerrier était autrefois le chevalier prometteur d'une grande nation. Un jour, la porte du chaos s'ouvrit et sa famille fut assassinée par les démons. Il erra dans le monde, ne se souciant plus de la vie ni de la mort, et termina en prison où il se battait pour amuser les gardes. Ah oui. Dans l'histoire originale, le père Sian lui montrait la scène de la mort de sa famille pour le convaincre de combattre à nouveau les démons. Merde. Ok. Brelchaza. Après avoir bu un verre avec Brelchaza. C'est vrai que lui c'est une des méchantes, mais quand même plus de flow que celle qui est gentille, quoi. C'est en termes d'attraction, voilà quoi. Ça c'est qui ça? Azena. Ah bah ouais, bah, on peut pas la voir. On peut pas la voir. Militant de Rochefort. Il y avait une interaction, mais je crois que c'était de l'autre côté. Quelque chose d'intéressant à raconter? Ah bah non, je peux pas y aller du coup. Merde. Ok, ok. Hop. Petit fond vert. Allez, dis-moi que le bouton est là, s'il te plaît. Dis-moi que le bouton est là. Ok, je n'ai pas la... Ah bah si, c'est... bah si. Oh, ça ressemblait pas à ça. Bah, c'est peut-être l'art-truc. Je pense que c'est le monstre qui nous aide à la vaincre. Enfin, à la vaincre, ouais. Ah, comment il s'appelait? Ah, je sais plus. Il me manque un bouton. Ok, je pense pas que ça va m'indiquer quelque chose, ça. Que Régulus vous bénisse. Il y était pas lui tout à l'heure, c'est ah, le malaise par contre de pas avoir trouvé le dernier bouton. J'ai l'impression que j'ai tout vu. Je suis pas allé par là. Ah si, ça nous fait redescendre direct. Ah si, ça nous fait redescendre direct. Ouais, comme Sacha. D'ailleurs, il me faut du charisme. Non. Regardez la barbe si. De Légion. Il me faut 30 de charisme. Intéressant à raconter. Pour pouvoir reparler à Sacha et lui continuer de lui offrir des cadeaux. Aïe aïe aïe. Oh, ça peut être très long là. Ah. Je vois pas ce que j'ai oublié. Votre tête me dit quelque chose. J'ai tout longé exprès. Cliquez partout.
Que Régulus vous bénisse. Ça aurait été à l'intérieur où il y a les Neria, ça m'aurait pas laissé ressortir du coup. Ou alors c'est une coïncidence que je puisse pas sortir. Et ouais, j'ai tout checké. Hein. C'est que je me suis trompé de dialogue peut-être. Oh. 10 égale 1, 18 égale 2, 68 égale 3, 968 égale 4. 888 égale... 10 égale 1, 18 égale 2. Bah 5. Parce que 1, 2, 3, 4, je pense qu'il n'y a pas de corrélation au 5. C'était 6. C'était 6. Mais je sais pas pourquoi pour le coup. Ouais. Bienvenue. Vous êtes okay. Ma première cliente de la journée. Ok. Je dois m'échauffer un peu la voix avant de chanter. Pourquoi vous ne prendriez pas un verre en attendant ma prestation? En fait, vous n'aurez même en prendre deux. Ça me permettrait de partir du bon pied. Hé. Ok. C'est à toi que je demande un verre du coup? Je vais jouer en chevalier. Rien à concentrer. Ouais, non. Ok. Un nouveau monde. Est-ce que c'est le même nom, la quête en bas? Un nouveau monde, ouais. Ah, ou là, je m'étais trompé, peut-être? Peu importe. À bientôt. Attendez, ouais, je vais tous les faire parce que... Je sais pas si là, on s'en fout ou c'est que je me trompe. Donc, avenante? Non, ok. Non, je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc, mais dans le doute... intelligente. Non, d'accord. Non, on s'en fiche. Ok. Donc elle, c'était bien épurée. Ça... Ouais, non, je pense que là, il n'y a pas de truc. Hein. Est-ce que je peux leur parler maintenant? Ah non, c'était bon. Non, c'est juste du... Non, mais c'est horrible, du coup, de se dire est-ce que c'est bon ou pas. Bienvenue, vous êtes ma première cliente de la journée. Parce que là, je peux pas interagir et je peux pas boire quelque part. J'ai à boire sur moi, mais je pense pas que ça aille jusque là. Oh la vache, c'est si dur. Quelque chose d'intéressant. Fleur ici. Vous aimez c'est quelqu'un si dur. Dites-le avec des fleurs. Il y a même pas... mais je veux jouer dans l'eau. Ouais, c'est que la ville est différente, quoi. Elle est pas du tout comme ça. Là, il y a pas la place avec la... C'est pour ça que ça me perturbe. Je veux être le bateau. Ok, là, j'étais rentré ici. Il y a pas un autre bâtiment, là. Enfin, la vache, quoi, la developer room qui est ultra compliquée, en fait. Ça, j'avais vu. Là, on remonte. Là, il y a les mecs qui vont bloquer. La que Carmine. Faites-vous ici? J'essaie de trouver le quatrième bouton. Hein. Bah, en vrai, je vais refaire un tour. Hein. Ouais, c'est là, ça me perturbe, parce que... Est-ce que je peux utiliser mon inventaire? Ah ouais, j'ai à boire sur moi, mais non, parce que si on n'a pas de boisson, on est soft lock. Super brouillon vraiment final. Ouais bah non, c'est pas ça. Là c'est pour la musique. Là où je pouvais pas rentrer. Elle j'ai fait le dialogue. Qu'est-ce qui vous amène? Ou je fais l'autre, on va essayer. Le hasard n'a pas sa place dans ce monde. Tout est écrit d'avance, nous notre rencontre. Ah, vous avez suivi jusqu'ici? Vous ne voulez pas passer du temps avec moi? Pourquoi pas, ouais. Oh, vous sortez le grand jeu aujourd'hui, que vous essayez de me faire chavirer. Et si c'était moi qui vous gardais ici? Vous n'êtes pas à votre place, n'est-ce pas? Ah, vous êtes surprise? Vous pensez que je ne savais pas? Je suis heureuse d'ici à passer du temps avec des aventuriers comme vous. Bien que je doive réciter mon texte, je peux laisser parler mes sentiments quand j'en ai envie. Vous avez dû accepter cette offre, puisque vous êtes ici. J'en suis ravi parce que ça signifie que nous allons nous revoir. Vous oublierez toute une fois partie, mais vous me manquerez. J'ai une idée, venez me voir au Yorn. Et là, je dirais... Ah, vous voilà! J'allais prendre un verre. C'est pas ce qu'elle a dit, je crois. Hein. Je crois pas que c'est ce qu'elle dise. Je sais plus. Ensuite, j'activerai l'appareil secret. Oh! Et... Qui sait ce qui arrivera, c'est décidé, retrouvons-nous dans le vrai monde. Ok. La porte de la salle des commandes s'ouvre avec un léger bruit. La porte de la salle des commandes. Il y avait une porte là où il y avait le diapo et tout, je crois pas. Quelque chose d'intéressant à raconter? Putain, heureusement que je suis revenu refaire le dialogue avec elle là. Parce que ça, c'est pas fermé. Ah, bah si. Oh, waouh. Oh, c'est le... C'est... On est dans le phare. On est dans le phare. Phare de l'île... c'est comment ça s'appelle? Île du phare, je crois, tout simplement. Île du phare solitaire, peut-être. Je sais plus. Très bonne quest.
qui donne pas mal de matériaux. Hop. Logiquement, on va y avoir quelqu'un avec son piano sur le toit. Hop, si je me coince pas dans, dans l'escalier. Oh, oh, c'est différent là. Il y a moins de, il y a moins d'objets dans le truc final. Ah bah il y a surtout pas ça en fait. Ok. Sonne la cloche, vas-y. Ok. Tintin. Hyper là. Ok. Là ça me fait sortir dehors. Oula. Ah, attraction. Non. Ouais. L'arrivée super-héros. Bon, celle-ci elle est un peu loin, mais c'est vrai qu'on arrive normalement. Un genou à terre et tout. Oh, Béatrice, tu es là? Ça me rappelle les gens sur les streams, parce que quand vous arrivez sur cette zone, bah, y a écrit justement Trixion. Enfin, dès que vous arrivez dans une zone, ça met le nom. Et du coup, les gens, ils étaient en mode, mais je croyais que t'étais sur le serveur... Non, non, mais c'est le nom de la zone, c'est pas le nom du serveur. J'aurais été full perdu, quoi. Ah, c'est vrai que c'est si stylé, ça. C'est comme ça que le jeu démarre. Il faut récupérer les arches pour les mettre sur les trucs ici. Oh, y a pas Béatrice? Bon, je suis triste, hein. Oh, petite autre filante. Oh, Béatrice! Là, c'est là où on choisit notre classe... Choisir une classe avancée. Quand le voyage du prêtre bleu commence, la lumière du destin ouvre la voie. Le roi, tiré de son long sommeil, confie cette lumière à la Providence, et à la personne se tenant seule au sommet d'une falaise dans le vent sombre, hésite à commencer son périple. Le long rêve du géant se réalisera à nouveau, et l'œil endormi du désert se réveillera. Quand un rayon de lumière percera dans le froid, l'arbre divin de l'illusion se couvrira de bourgeons bleus. Alors que les gardiens décident de la voie empruntée, une pluie noire s'abattra sur les plaines. Quand le démon aux quatre ailes noires s'élèvera, la sentinelle des ailes préparera le chemin vers l'avenir. Quand toutes les étoiles brilleront dans le même ciel, le combat final commencera. La voie aussi nulle le destin dépend uniquement de vos choix. Ah ouais. Béatrice, t'es là? Non? En fait passer? Oh, y a pas Béatrice? Ok. S'agit-il de la voie de la lumière? Je vais finir dans les égouts. Petit tour attraction. Oula. Ah, c'est le début du jeu, ça. Ouf. Dit. Je suis là. Ah, oh, je peux pas. J'arrive. Il faut sauver Armel. Est-ce qu'il faut vraiment le sauver? Hop. Allez. Allô? Ah ouais. Je savais que ça arriverait un jour, mais pas tout de suite. Ah, jure. Je suis venu examiner cette anomalie dont on parle. Tout est de votre faute. Quelle surprise. Alors, il se remet. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, du coup, forcément, le jeu, il comprend pas, on est censé le sauver. Mais putain. Mais je suis mort. Bonjour, monsieur le développeur. Non, mais peut-être est-ce écrit depuis le début. Après tout, vous surpassez aisément les limites de ce monde. Si la plupart se contentent de s'interroger sur la création de ce monde, vous êtes la seule à pouvoir en dévoiler le secret. Suivez-moi, j'aimerais m'entretenir avec vous. Et du coup, Armel, on s'en fiche? Ouais, en vrai, on s'en fiche. Oh, waouh! Excuse-nous, The Flash, quoi. Oh, c'est stylé. Ok. Le jeu est bien quand ça crache pas. Hein. À cause des décos. Voilà bien longtemps que je n'avais plus vu d'étrangers par ici. Les développeurs ne sortent pas beaucoup et n'ont pas souvent de visites non plus. Mais il semblerait que la journée soit exceptionnelle. Le développement est une guerre contre les bugs qui menacent votre monde. Ça, c'est bien vrai. Hein. Si vous faites un changement pour créer quelque chose de nouveau et d'intéressant, le système parfait commencera à se fissurer. Eh oui, nous avons dû éradiquer tous ces bugs pour qu'une aventurière comme vous puisse profiter de ce monde. Dommage que ces idiots, ces travailleurs acharnés, fassent parfois des erreurs. Depuis qu'une aventurière nous a aidé à corriger nos défauts, nous ne cessons d'améliorer les choses. Je voulais vous rencontrer et vous remercier pour votre aide depuis longtemps. Après tout, vous nous avez aidé à créer ce monde ensemble, mais dans un plan différent.
Je ne pensais pas que nous serions coincés en production comme ça. Ne vous inquiétez pas, ce que vous avez vu aujourd'hui n'existe plus. Le bug va simplement disparaître. Bien sûr, il faudra appliquer un correctif. Asseyez-vous, et tout rentrera dans l'ordre. Comme si rien ne s'était passé. Oh, c'est creepy un peu. Du coup, je me demande si... Je suis navré de vous voir partir. Ah, dialogue. Petite question. Oui, c'est quoi la question ? D'après vous, combien d'utilisateurs sont venus ici avant vous ? Oula, je dirais beaucoup, hein. Aucun utilisateur n'est jamais arrivé voilà. ici. Et bien, voilà. Adieu. Aïe, aïe, aïe. Ah, de retour au complexe. Ok. Ouais, du coup, ce que je me disais, c'est est-ce que c'était directement ça dans le jeu en Corée ou pas, quoi ? Ou est-ce que ça arrivait avec la Russie ou est-ce que ça arrivait à partir de... Que je sorte en Europe. Ok. En quête de liberté. Du coup, c'est terminé, ça ? Appuyez sur la touche F2 pour voir le menu partition et jouer le champ de fuite. Cela vous permettra de quitter le donjon. Oui, d'accord. Mais j'ai fini, là, du coup ? Ok, des fragments d'XP. Parfait. Là, c'est quoi ? Des recettes pour le... Ouais, je crois que je suis à fond. Ah, peut-être pas le... Ah, non. Pas l'entraînement de choc. Ok. Et du coup, là, le sac de développeur. Et on obtient tout. Ok. Évidemment, c'est invendable, indestructible, et on peut pas l'échanger. 600 d'or, ça, c'est bien. Carton d'invitation. Ok. Bah, écoutez, on va prendre tout ça. Hein. Carton d'invitation, la bêta. Carton d'invitation pour la bêta fermée. Je me demande quelles aventures palpitantes elles réservent. Mais on dirait que ça a déjà expiré. Bah, oui, pour le coup. Ah oui, c'est un... D'accord, c'est un... C'est un comment ? C'est un... C'est un truc à vendre, du coup. Ah, à mon avis, ça va nous donner beaucoup d'argent. Ça, c'est cool. L'Ilénel d'urgence. Un médicament d'urgence stocké dans le garde-manger du bureau. Tout le monde en prend dès que la moindre symptôme apparaît. Donc personne ne sait à quoi ça sert. Ok, donc ça aussi, on peut le vendre. Green Bull. La boisson préférée des développeurs. Elle donne à vous énergie comme vous n'en avez jamais connu. Mais attention, c'est l'énergie que vous n'aurez pas le lendemain. C'est des suspects. Pourrait-il contenir des informations confidentielles ? C'est peut-être très précieux. Et ticket d'échange d'argent. Un ticket d'échange spécial offert aux développeurs. Si vous manquez d'argent, échangez-le. Enfin, est-ce la fin de la misère ? Est-ce le virage que j'ai attendu toute ma vie ? Ok. Donc c'est que des trucs à vendre. À mon avis, ça va nous donner un bon paquet de pognon. On va voir ça. Ok. Alors je sais pas si c'est lié au truc, mais... Alors j'ai pas vendu ça. C'est vrai que celui-là en plus, il est violet et tout. Mais ça sert à rien, je pense qu'il faut juste le vendre, mais bon. Pour ce que ça me donne pour l'instant, je vais peut-être garder de côté, mais j'ai checké, parce que justement j'ai été donné mes cœurs, et quand je suis allé donner mes cœurs, il n'y avait pas du tout cette quête. Et là maintenant il y a une quête, action ou vérité, alors je sais pas du tout si c'est une pure coïncidence, ou si c'est justement lié au fait que, enfin lié du coup à ce truc quoi, à cet easter egg, hein, c'est littéralement easter egg. Donc je vais voir, mais c'est vrai que comme je suis allé donner les cœurs avant, et qu'il n'y avait pas du tout cette quête, et que là que j'ai fait tout ça, il y a la quête, c'est possiblement lié, donc si c'est ça, c'est cool. Il faudrait que je le dise, parce que c'est vrai que du coup je suis allé sur sur Discord justement demander à ceux qui l'avaient fait. Enfin, il y en a un qui l'a fait, et il y en a un qui l'a vu en stream via Zera. Et du coup, j'aurais demandé, est-ce que bah, du coup, quand j'obtiens le sac, est-ce que c'est fini, quoi, parce qu'il n'y a pas de, truc. Et puis ils m'ont dit, bah, ils savent pas, en tout cas, il n'y avait rien. Voilà, aucun PNJ qui donnait de quête et tout. Donc à voir si c'est ça, je pourrais aller leur dire, du coup. Parce que c'est vrai que je suis allé donner les cœurs, il n'y avait pas. Et du coup, il y a ça, donc est-ce que c'est juste un timing ? Mais ça me paraît quand même gros comme timing. Donc on va voir ça. Ça serait cool que ça soit la suite. C'est ça que c'est bien quand il n'y a pas d'indication, mais... C'est bien aussi de savoir si on a fini ou pas, quoi. Donc, allons voir ça. Donc, celle de la salle, c'est là où vous échangez, du coup, les cœurs des géants. Et c'est super important, les cœurs de géants. Parce que, vous voyez, qu'en termes de récompense, ça vous donne beaucoup de points de compétence. Donc, c'est vraiment à focus. J'en ai déjà 7. Et ça peut être via des quêtes, des affinités ou des world boss. Donc, on va voir. Est-ce que c'est lié ou non la quête? Ou alors, le timing est vraiment au pif, quoi. Le lieu de la sagesse et de la connaissance, ok? Vous cherchez des informations sur le lieu de la sagesse? Vous aurez peut-être de la chance, là où vous passez tout le temps. Regardez bien. Trouvez le document de sécurité. Je devrais vérifier que rien n'a changé. Qu'est-ce qu'on gagne? L'XP? Émote erreur. Oh, c'est lié. C'est lié au truc. Ok. Oh, c'est lié au truc. Jure. Trouvez le document de sécurité. C'est ici? Ouais. Ok, c'est ici. Parfait. Hop. Oh, c'est lié au truc. Émote erreur...
clairement. Ok, ok. Donc je suis pas fou. Donc c'était pas un timing dégueulasse, c'est que c'est vraiment lié au truc, quoi. Ok. Ok, ok. On va aller voir ça. Ah, il est là aussi ? Non, il cherche les Mokoko, lui. Alors, Land of Truth, Dave By, index de quête, 90-19-15, dialogue de réussite, 0. Ah, je l'ai pas eu, du coup. Aventure, réminiscence, impossible d'accéder aux documents. Vérification du mot de passe nécessaire. Administrateur. Voulez-vous vérifier ce document ? Oui. Veuillez saisir votre mot de passe. Ok. Accès autorisé. Ok. Ok, ok. Consultez le document de sécurité. Index de quête, 51-04-106, discussion réussie. Ah, ça veut dire oui, en fait. Moi, j'étais en mode 0 ou 1 pour non. Oui, d'accord. PNJ, D20-14-11-20. A quitté la zone à minuit, découvert à minuit 3. Appeler le responsable et chercher à minuit 7. Arrêter et jeter à minuit 11. Objet trouvé, vérifié et code de sécurité renforcé pour empêcher nouvelle occurrence. Jeter tous les index concernés. La cible a laissé le message suivant. C'est un plaisir créateur. Je pense que c'est la fin pour moi. Jusqu'où comptez-vous suivre la piste ? Traitement de rapport de bug mis à jour. Attendez, mais ça là, c'est pas le chiffre qu'on avait quand on a reset le truc ? Ah. On est juste un PNJ. Nous ne sommes qu'un PNJ. Tout s'effondre. Mais si, c'est bien le chiffre qu'on avait quand on a... Oh, bordel. Ok. Et là, du coup, c'est fini ? Ah, des paquets de cartes, en plus, ça, c'est cool. Hein. Un indicible secret. Arrivé. Trip obtenu. Faites voir le... Un indicible secret. Explorer la terre de vérité du complexe. Ah, à mon avis, c'est fini, du coup. Ok. Et du coup, de l'XP, bien sûr, le titre est... Tarmacum, la carte. Un sujet de test particulièrement féroce et agressif, créé en secret par le docteur Bergstrom à partir des restes de pouvoir. Boss de terrain... Et au fait terminé. Ah, on peut le dropper aussi sur le boss de terrain. Bah, du coup, je dois l'avoir déjà, cette carte. Je dois déjà l'avoir. Déjà, je vais prendre l'XP. Voilà. On va prendre les mottes aussi, qu'on va tester. Ah, mais j'ai pas la carte dans l'inventaire. Je suis aveugle ou... J'ai pas la carte. What? Mais j'ai pas la carte. Merde, alto. J'ai pas la carte. D'accord, ça c'est un vieux paquet. Ah, c'est cool qu'ils donnent des paquets. J'espère qu'il y aura des petites légendaires. Allez, par pitié. Allez. Non, hein, bien sûr, comme d'hab. Mais ouais, du coup, j'ai pas la carte parce que je l'avais déjà, du coup, peut-être. Donc, ouais, mais normalement, si on l'a, ça le donne quand même. Et juste, du coup, ça donne de l'expérience. Ou ça l'a activé instantanément parce que c'est une récompense. Ouais, c'est différent là, c'est une quête. Je sais pas trop comment ça marche. Parce que vous voyez, quand vous l'avez déjà, ça, voilà, ça vous convertissez, quoi. Et ça fait des doublons, etc. Donc, ok. Impeccable. Ok. Du coup, faites-les voir. Hop. Tarmacum. C'est vrai que c'est assez drôle à dire. Getting. Comment ça? What? Bah, attendez, quand... What? Attendez. La carte existe, mais on peut pas la voir? What? Attendez, c'est fini ou pas? Elle existe, mais en fait, non. What? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Démantèlement impossible. Lié à l'expédition qu'on ramassait. Ou je suis aveugle? C'est un courrier? Bah non, c'est pas un courrier. Là, y'a rien. Bah non, ouais, non, je l'ai pas activé la carte. Ouais, non. Et c'est pas un courrier. Non, c'est pas un courrier. What the fuck? Parce que, ouais, je l'ai pas activé, donc forcément. Mais il la trouve. Attendez. Est-ce qu'on peut chercher des cartes qu'on n'a pas? Genre là, il me manque... Ah oui, mais du coup, je peux pas savoir, vu que je l'ai pas. Mais si, Thanatos, elle est grisée, c'est-à-dire je l'ai pas. On est d'accord. Oui, voilà, c'est ça. Donc, Thanatos, est-ce que je peux rechercher une carte que j'ai pas? Oui, je peux rechercher une carte que j'ai pas. Ouais, mais ça le montre. Et là, du coup, on a le Tarmacum. Mais quand on recherche, elle n'existe pas.
What? Mais c'est tellement chelou. Ok, et du coup l'émote c'était erreur. Attendez, je vais la taper, c'est rapide. Erreur. Ah, c'est l'émote de danse, mais ça bug. Ok, c'est rigolo. Et du coup j'ai un super titre là. Que j'ai déjà oublié d'ailleurs. C'est un préfixe ou un... C'était arrivé. Je crois que ça les met dans l'ordre alphabétique. Ouais. Ah, du coup, c'est là, du coup. Arrivé. Quoi? Mais le titre, il existe même pas. Quoi? Mais attendez. Mais je débloque des trucs, mais... Ah si, c'est là. Ah, c'est un gros truc. Vas-y, je vais le mettre. Hein. Ok. Mais par contre, du coup, la carte, je l'ai pas. On est bien d'accord, là, il n'y a rien dans mon inventaire. Hein. Ok. Mais là, je pense que c'est vraiment fini. Enfin, j'ai eu un haut fait, donc... Ok. Un indicible secret. Terminer la quête action vérité. Ouais, après c'est la quête action vérité, c'est pas... Ouais. Mais je pense que c'est la fin. Mais du coup, pourquoi on drop une carte qu'au final on n'obtient pas, mais on peut la rechercher, mais elle n'existe pas en fait. Bon, c'est pas clair. Je pense que, ouais. D'ailleurs, des mecs qui doivent se casser le cerveau là sur des Reddit ou quoi. Donc à voir, mais là je dirais que c'est fini pour le coup. Et c'est lié, c'est clairement lié. Mais là il n'y a plus trop de trucs, donc elle, si je lui parle, de toute façon, va rien me dire. Mais est-ce qu'au final j'ai pas eu la carte, quoi? Ouais, maintenant elle repart direct dans le truc. Ouais, j'ai pas eu la carte. Ok. Eh bien écoutez, je pense que c'est fini. En tout cas, c'était super cool. En effet, les copains avaient raison. Moi j'aime trop les trucs comme ça. C'était vraiment kiffant et tout. Oh, il y a une quête secrète là d'ailleurs. Le cœur d'un géant. Jure. La quête du cœur d'un géant, c'est... Parce que, logiquement... Attendez. C'est justement le cœur du géant... Merde, c'est lequel? Le 15e? C'est une quête spéciale. Ah ouais, mais là, c'est pas une quête spéciale, c'est le cœur d'un géant. Ok, bah j'accepte. J'accepte, bref. Mais ça n'a rien à voir. Mais ouais, c'est clairement, j'aime trop ça, et c'est vrai qu'ils ont bien raison, ils ont pas pris de risque. Hein. Ils ont pas pris de risque à dire que j'allais kiffer. Donc je sais pas si c'est terminé, je pense. Enfin, au moins on a eu vraiment un truc fini, quoi, un haut fait et tout. Mais le truc de la carte, c'est chelou, hein. Qu'on puisse la chercher, mais en fait elle n'existe pas. C'est... Tarmacum. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que... Je sais pas. Bah écoutez, j'essaie de me renseigner. Sur des Reddit ou quoi. Et puis je reviens vers vous s'il y a autre chose ou si c'est vraiment la fin et tout. C'est vrai que ça a l'air très mystérieux. Peut-être que justement l'easter egg n'est pas fini. D'ailleurs, c'est ça aussi qu'il faudra que je cherche, si l'easter egg existe depuis le début, vous savez, sur les serveurs coréens ou quoi. Ou s'ils l'ont mis qu'à partir de la Russie ou qu'à partir de l'Europe, et du coup aussi pour toutes les autres régions. C'est vrai que quand le développeur il disait merde, je sais plus exactement ce qu'il a dit, mais ça faisait référence à que c'était récent un petit peu. Enfin, je sais pas comment expliquer. Donc à voir, mais en tout cas c'était super cool et j'espère que ça vous a plu de partager ça avec moi. C'était un petit peu le chaos et cafouille, mais bon, ça c'était dans le thème de la quête, donc voilà. Donc on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, comme d'habitude, des bisous, portez-vous bien et à très très vite. Allez, ciao ciao.